Mais à toi, tu étais paniqué au téléphone là, c'est quoi? Moussa, je dois t'annoncer une grave nouvelle. Eh, ça fait peur, d'être. Quelqu'un est mort? Moussa, je suis enceinte. Enceinte? Oh, ma pauvre. Mais qui a osé te faire ça? Vraiment, les garçons de nos jours là sont mauvais, d'être. Enceinte des filles sympas comme toi. Mais ça s'est passé comment? Moussa, c'est de toi. Moi? Non, non, c'est pas possible. Avec qui j'étais la nuit à l'hôtel aux mille étoiles? Moi? Mais c'est... c'est que je suis fort, Moussa, d'être. Tu oses faire le malin? Po, c'est pas possible. Moi? Moussa, si mon père apprend ça, je suis foutue. Et toi aussi. Ah bon? Pourquoi? Il est policier? Non, il est journaliste à Calamité Matin. Et Calamité Matin? Oh, mon père n'a peur de rien sauf du scandale. Alors, il faut que tu lui parles avant que le mien ne sache tout ça des... Po, je suis mort et enterré. Et Dieu, mon père va sûrement me déshériter. Mais alors, comment tu vas faire pour élever notre enfant? Hein? Je vois que tu t'intéresses à mon sort. Hein? Bon, je vais réfléchir. Ne dis rien à ton père. Tu attends que je t'appelle. Et po. Yao, sers-moi à boire. Vite. Maman, hein? Je dois te parler. Moussa, c'est toi qui sens la boisson comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as cassé ta Toyota? Non, maman, ça c'est rien à côté. Oh. Tu as écrasé quelqu'un alors? Non, maman, ça c'est rien à côté. Oh. Bon, accouche Moussa, je n'ai pas que ça à faire. Justement, maman, en parlant d'accoucher, il y a une fille là qui dit que je l'ai enceinte. Quoi? Aminata, laisse-nous. Ne te fâche pas. Oh. Non seulement tu es vilain, mais tu trouves le moyen de te reproduire. C'est pas ma faute, maman, c'est un piège. Bon, c'est la fille de qui? De personnes que tu connaisses, déjà respectables. De Yopougon. Yopougon? En plus, une roturière. C'est pas son métier, ça, maman. Imbécile! Et ça va être papa. Si tu ne m'aides pas, maman, qui va le faire? Mais ton père, il est dans son troisième bureau. Va le voir. Pitié, viens avec moi. J'ai peur de lui, tu le sais, maman. Il fallait réfléchir avant de mettre ta petite chose-là n'importe où.